Hello guys, welcome back to Omar's English for French Speakers. Today we're gonna carry on our series about reading. The title of the lesson of today is Our Vacation. So, as usual, I'm gonna read in English and I'm gonna finish with the translation in French. But today there is a new thing that I've added to the lesson. There is a part where I am showing the pictures of everything that I have written in red on that page. As you can see, the word Florida, beach, palm trees, sandcastles, sailboats, dolphins, whales, shells, and surfer. Alors, salut tous, salut tout le monde. Pardon. Nous voilà une fois de plus dans une nouvelle leçon de la lecture, la pratique de la lecture, la prononciation et l'enrichissement du vocabulaire. Alors, comme à l'accoutumée, je vais lire en anglais d'abord, ensuite je m'en vais lire la traduction en français. Alors il y a une nouveauté à la leçon, j'ai ajouté des photos à la leçon vers la fin. Les mots que vous voyez en rouge sur le texte, la partie anglaise, alors j'ai des photos qui vous donnent une idée à quoi ressemblent ces choses. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Alors, le but, c'est de pratiquer la mémorisation, c'est-à-dire accentuer la mémorisation des mots pour vous. Alors, vous avez le mot Florida, beach, palm trees, sandcastles, sailboats, dolphins, whales, shells and surfer. Tous ces mots-là, j'ai trouvé des images qui les correspondent et qui vont pouvoir vous aider à mémoriser non seulement leur signification, mais à avoir une idée à quoi ces choses ressemblent. Alors, sans tarder, je vais faire une lecture en anglais pour vous donner une idée sur la prononciation des mots difficiles. Ensuite, comme je l'ai dit, on passe à la partie française et vous allez voir les images à la fin. Practice reading. Our vacation. Every year, we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long, with soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make sand castles and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Every morning we looked for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. This year, I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Une fois de plus. Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long, with soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make sand castles and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Every morning we look for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Alors, nous passons à la partie française, French. Chaque année, nous allons en Floride. Nous aimons aller à la plage. Ma plage préférée s'appelle Emerson Beach. C'est une très longue plage, ayant un sable doux ou fin, des palmiers ou des cocotiers. C'est très joli. Alors, c'est-à-dire, c'est une très jolie plage. J'aime bien construire des châteaux de sable et regarder des voiliers ou des bateaux à voile passer. Parfois, il y a des dauphins et des baleines dans l'eau. Alors, and, ici, c'est E, la conjonction de coordination, pardon, en français. Tous les matins,
Nous cherchons des coquillages dans le sable. J'en ai trouvé 15 grands l'année dernière. Je les ai gardés dans un endroit spécial dans ma chambre. Cette année, je veux apprendre à surfer. Surfer, c'est difficile, mais très divertissant. Ma sœur est une grande surfeuse. Elle a dit qu'elle peut m'en enseigner. J'espère en être capable. Alors, nous voilà parvenus au terme de la traduction. Alors, comme promis, nous allons passer aux images. Images. Florida Beach. Florida Beach. Alors, j'ai combiné deux mots qui sont en rouge dans la partie anglaise. Alors, Florida, c'est la ville de Floride. Beach, c'est la plage. Alors, la ville de Floride est connue pour ses longues, magnifiques plages. Comme vous le voyez sur l'image, la ville d'un côté, un tout petit peu la plage de l'autre. La deuxième image, palm tree, qui veut dire le cocotier ou le palmier. Alors le mot L, alors la lettre, pardon, la lettre L dans palm tree, palm est silencieux. On dit palm, on ne dit pas palme. Le L, il est silencieux. Palm tree. Alors nous passons à la troisième image. Sand castles, qui veut dire château de sable. Alors vous voyez sur l'image. Le monsieur, il est entre, je crois, deux à trois châteaux. Alors, tous ces châteaux sont des châteaux de sable. D'où le nom Sand Castle, pardon. Alors, la quatrième image, c'est Sailboats. Sailboats, qui veut dire des voiliers ou des bateaux à voile. Alors, nous en voyons quatre sur l'image. Quatre bateaux à voile sur l'image qui sont en train de naviguer sur l'eau. Nous passons à l'image suivante. Dolphins, qui veut dire le dauphin. Vous voyez deux dauphins suspendus en l'air, sûrement en train de faire des acrobaties à l'extérieur de l'eau, pour retomber bien évidemment dans l'eau. L'image suivante, c'est shells, qui veut dire des coquillages. Alors dans le texte, la personne qui parle relate que tous les matins, il cherchait le coquillage dans le sable. Alors c'est sur cette image, vous voyez une série de coquillages qui sont différents les uns des autres. À peu près, c'est ce qu'on trouve sur les plages. L'image suivante, bon, probablement la septième, c'est surfer. Surfer, qui veut dire le surfeur. Vous voyez un monsieur en train de surfer sur l'eau. Alors, surfer, c'est le surfeur sur l'eau. La dernière image, c'est whale. Whale veut dire la baleine, qui est un animal aquatique, comme vous pouvez le voir sur l'image, en train de nager dans l'eau. Alors nous voilà, une fois de plus, parvenus au terme de notre leçon. Je vous invite à être connecté. Ensuite, à souscrire à ma chaîne ou bien à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez surtout sur la cloche pour que vous receviez des notifications chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous avez quelque chose à dire, alors exprimez-vous dans la partie commentaire.